Alors allons-y pour le premier redémarrage. Après le changement des roulements. Il va voir s'il a plus de pêche. Ça j'en doute pas. Par contre, j'aurais sûrement d'autres réglages à refaire. Et surtout, savoir s'il y a un ralenti. Le moment spécial, le ralenti. Ouais, c'est bon, le starter à droite. Hein. Donc, il y a un bruit de frottement dedans. C'est pas le volant. Hein. Je pense que c'est la cloche. Le poil en travers, mais elle va se faire. Hein, c'est grave. Ah, pas mal, c'est ralenti, bien bien. Bon, je viens d'aller faire un essai sur route, là j'ai fait 2-3 km, pas mal hein. Il ralentit plus dans les montées, ben, pas les grosses sautes, mais les genres de faux plats. Au contraire, il accélère encore. Donc maintenant je vérifie un peu tout ce qui peut apparaître comme fuite, mais j'en ai pas vu. Hein. Par contre je pense que je vais régler l'avance, parce qu'à mon avis, chaque fois qu'on bouge la platine, le stator, il vaut mieux le refaire. Mais sinon, on va bien. Bon, donc, après roulage, aucune fuite suspecte. Maintenant, ça roule. Les derniers réglages, je les ferai quand il sera prêt. Maintenant, dans l'ordre, je redémonte le réservoir. Le cache, c'est bon, je l'ai enlevé. Et peinture, réservoir et cache. Peinture, séchage, vernis, insensible aux hydrocarbures. Pour les deux, hein, tant qu'à faire, comme j'ai fait pour là, pour le capot. Remontage, et je vous montre ça, puis ça sera fini. Ah si, il y a l'électricité encore, mais bon, ça c'est pas... Il y a juste trois fils à brancher, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Alors, premier round, enfin même le deuxième, puisque le premier c'était le nettoyage. Puisque j'ai reponcé ma réparation, là. Deuxième round, donc. Passage de la sous-couche plastique qui permet, ça permettra à la peinture de mieux tenir et surtout de ne pas craqueler dessus vu que c'est du plastique. Voilà, troisième round, ça sera peinture. Et donc le troisième round qui est, ça va être nickel. Je pense que je vais peindre aussi la boîte à outils. Et aussitôt dit, aussitôt fait, la boîte à outils. Peinte, vernis et les deux caches que je voulais en réservoir, peint, vernis. Par contre le séchage va être un peu long. Hein. Et bon, c'est comme ça que ça me plaît. Après pour le prochain, on verra. Et là si j'y arrive, le bouchon sera blanc. Ben, il suffit d'acheter un blanc. Parce que la peindre, ça me tente pas trop. Ah oui, au fait, j'ai laissé la durite d'essence, mais c'est pas par flemmardise ou parce que je suis feignant, hein. C'est parce qu'elle me sert pour l'accrocher. Parce que je l'avais enlevé, et puis j'ai vu qu'il n'y avait aucun trou où on pouvait l'accrocher, le réservoir. Donc c'était un peu galère. Voilà ma solution. Juste une petite info, sous le capot de filtre à air, j'ai mis un joint torique là, sous mon doigt. Bon, comme je ne sais pas du tout la figure qu'il a, le joint d'origine, j'ai mis celui-là, ça va bien. De toute façon, c'est toujours étanche. Et puis voilà. Même si, à mon avis, il ne sert pas grand-chose ce joint.
À noter tout de même que sans le joint, eh ben, ça fait une sacrée prise d'air supplémentaire, directe en plus, pour le mélange. Mais bon, pour les réglages d'avant, ça ne doit pas beaucoup jouer. Je pense pas que ça joue sur la position du starter. Bon allez, je continue. Et j'en suis au remontage du réservoir. Enfin, du réservoir, du support. Et maintenant, je vais remonter le réservoir. Ça va vous plaire, je pense. Si quelqu'un a un bouchon blanc, bon, je sais, il y en a des neufs à vendre. Alors, j'en suis réservoir monté. Capot de filtre à air. Manque cache. Le capot moteur, on va dire. Et cache volant. Et voici enfin les enjoliveurs montés. Bon, je vais essayer de faire le Solex en blanc. Pareil côté réservoir. Marqué en noir aussi, ce serait pas mal. Et en blanc encore mieux. Bon, j'ai un petit souci avec le fil de bougie. Apparemment, il est trop court pour rentrer là. Ou alors c'est lui qui est trop bas. Ça, j'en sais rien. Là, a priori non, puisqu'il s'arrête bien au bon endroit là. Ben voilà. Pas mal, non? Allez, une petite vue d'ensemble avec ce qu'il reste à faire. Il reste à faire et à trouver le feu. C'est un carré rouge catadiope et feu. Enfin, un truc comme ça. Ensuite, bon, la pompe c'est ok. La boîte à outils rouge, je vous l'avais promis. Il me manque les autocollants de poutre. Je pense qu'ils arrivent demain. Avec, il y aura aussi l'autocollant qui va là devant sur la colonne. Et bien sûr l'éclairage, mais ça pour le moment je m'en fous un peu. Voilà, ça dégueule quand même rouge et blanc. Ça n'existait pas. Et bien Robert l'a fait. Il y en a qui vont râler hein, dans les chaumières. Voilà, moi ça me plaît bien, hein. Ce sont mes couleurs, donc c'est nickel. Je résume donc le feu, les autocollants on les compte pas, puisque de toute façon, je pense qu'ils arrivent demain. Ils ont été envoyés lundi. Et voilà, tout est ok. Et maintenant, la petite touche qui va plaire. Parce qu'ils m'ont bien aidé, alors merci au forum. TY. Vous ferez quand même, dès que j'aurai tout monté, ben dans la semaine, hein. Tout fini, les feux, les bandes, avec le feu arrière, ça peut trouver. Voilà, quand j'aurai tout fini, je vous ferai une dernière vidéo. En plus, il faut qu'il roule un peu, d'après ce que j'ai lu, pour tout que ça se mette en place. Combien? Un ou deux pleins? Ben, je suis pas prêt de les faire parce que je roule pas beaucoup. Hein. Surtout qu'il n'est pas assuré de toute façon. Donc voilà, la prochaine ça sera l'utilisation journalière. Voilà. Bonne journée.